Oui, bonjour, je suis Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier au Canada, Québec, et je suis président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Nous sommes à Rome pour la visite ad limina et nous venons de visiter le dicastère qui touche le laïcat, la vie et la famille. Ce fut une rencontre très enrichissante. Il est intéressant de voir que le cardinal responsable de ce dicastère se soucie de la formation des laïcs, qui demeure une cheville importante pour l'avenir de l'Église. En même temps, il a tenu des propos très encourageants sur le travail accompli par les évêques du Québec pour le respect de la vie humaine dès le début de sa conception jusqu'à la mort naturelle. Nous sommes intervenus plusieurs fois pour défendre la vie humaine et il est intéressant de voir que la documentation donnée a été appréciée. Et nous avons voulu justement offrir à tous les catholiques un document leur permettant de prier à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir aider les grands malades qui ont affronté la mort. En même temps, c'est intéressant de voir toutes les activités qu'ils nous ont proposées pour soutenir la famille et la jeunesse. La rencontre qui aura lieu à Panama, c'est une source d'espérance que les plus jeunes dans le monde puissent participer à cet événement. Somme toute, c'est une rencontre qui fut un bel exercice de communion et le cardinal et tous les proches collaborateurs autour de lui nous ont accueillis dans une belle expérience de communion. Merci.